Jérôme Thibault pour les infos de sport. Je suis un joueur du hockey de Besançon. Quel est ton sentiment après le deuxième tiers-temps que vous gagnez 3 à 2 face au Luxembourg? On a du mal à mettre en place notre jeu. Il joue assez physique, assez rude. On a du mal à mettre en place notre jeu, mais bon, on se bat, on va avec le cœur et on a quelques opportunités quand même. Mais on mérite mieux. Il faut qu'on fasse mieux. Eh bien d'accord. Bonne fin de match. Je suis avec l'entraîneur de Besançon. Quel est ton sentiment après le match nul 4 à 4 face au Luxembourg? On a fait globalement un mauvais match. C'était pas la même équipe qu'on a joué là-bas. Là-bas, on a perdu 5-2, on a mal joué, mais c'était une bonne équipe pour l'adverse. Là, ils se sont déplacés. Pour moi, c'était une équipe B ou je ne sais pas quoi. Et on a mal négocié le match. Comme je dis à mes joueurs, heureusement, le match n'a pas continué encore 20 minutes. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait sur la glace. Parce que là, depuis le début, on a essayé de mettre un peu d'incité pour réveiller dans les vestiaires tous les joueurs. Mais ça n'a pas aidé. Les niveaux, ils ont baissé, ils ont baissé. Je dis honnêtement que le match est fini. Parce qu'on a fait un mauvais match. Vous avez quand même un bon gardien, Besançon, qui vous a quand même sauvé beaucoup de fois. C'est la seule chose positive, je pense, de ce soir. On a donné chance à notre deuxième gardien, qui est encore jeune, mais qui a prouvé qu'il peut jouer en troisième division. Donc je pense qu'on va construire peut-être les bases dessus, mais c'est encore positif. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec un joueur de Besançon. Quel est ton sentiment après le match nul 4 à 4 face au Luxembourg? C'est frustrant parce qu'on dominait un peu le match, on aurait pu gagner, on avait 4-2, on gagne, 4-3, 4-4, c'est dur, on pouvait le gagner quoi. C'est vraiment, c'est décevant quoi. Alors aujourd'hui, votre dernier match du championnat de Détroit, maintenant, il faut rattaquer la saison prochaine? Ouais, c'est maintenant, on va s'entraîner pour la saison prochaine, on va bosser. Je ne sais pas s'il y aura du changement dans l'équipe, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut bosser pour l'année prochaine. C'est ce qu'il faut, absolument. Eh bien, merci.